Bonjour, bonjour. Les amis, il y a un truc que j'adore faire depuis tout petit, c'est apprendre des choses qui ne servent à rien. Oui, c'est une passion chez moi. Des choses complètement inutiles dont personne n'en a rien à foutre, hein. Mais moi, ça m'intéresse. Moi, je trouve ça génial. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler d'un site qui s'appelle Savoir Inutile. Et il apprend plein de trucs qui sont inutiles. Mais qui servent à rien. À rien. Mais c'est génial. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous apprendre 20 choses complètement inutiles, mais que vous voulez absolument savoir. Vous voulez le savoir. Ceci, je vous assure, vous voulez. Vous voulez. Lance l'intro. Première chose inutile et incroyable, mais genre vraiment, mais moi je l'ai appris, ça a changé ma vie. J'en fais peut-être un petit peu trop, mais croyez-moi, vous allez vous dire, waouh, incroyable. Est-ce que vous savez ce que c'est un chèque? Bien sûr que vous savez ce que c'est un chèque. Les chèques de la France, les chèques de n'importe quel pays, les chèques de la République. C'est pas la République tchèque, hein. Eh bien un chèque, vous savez comment ça s'organise, hop, voilà un chèque. Vous avez des lignes où vous, ou vos parents, si vous n'avez pas encore l'âge de faire des chèques, devez écrire du coup la somme en lettres. Eh bien, est-ce que vous saviez que ces lignes-là sont des phrases? C'est des lettres, c'est pas une ligne, c'est une phrase. Après, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je sais pas, mais c'est des phrases, je vous assure, vraiment, prenez une loupe, allez voir n'importe quel chèque, vous verrez que c'est une phrase. Moi, je trouve ça incroyable. Ce que vous avez dans les oreilles, ça ne s'appelle pas de la cérumen, mais du cérumen. C'est pas la même chose, parce que moi, depuis tout petit, je pensais que c'était de la cérumen. Moi, je pensais qu'on pouvait prendre le truc dans les oreilles et faire des bougies, quoi. Ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Les chameaux, ces bons vieux chameaux, nos bons vieux poteaux, les chameaux, et ben ils ont 3 paupières pour se protéger de vent de sable. 3 paupières, ils ont no time. Pas le temps. D'ailleurs, on va aller voir à quoi ça ressemble. On va taper chameau, bah 3 paupières, parfait. Voilà. Et bah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Quatrième chose, et d'ailleurs, pendant qu'on est dans les animaux, on va continuer à parler d'animaux. Est-ce que vous savez que la plus grosse somme payée pour acheter une vache aux enchères, c'était 1 million de dollars? Oh la vache, ça fait beaucoup. Vous connaissez tous la ville de Los Angeles, mais ce n'est pas son vrai nom. Los Angeles s'appelle pas vraiment Los Angeles, c'est un nom raccourci. Le vrai nom de Los Angeles, c'est El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porcion. Oh poulala. El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porcion Sula. C'est le vrai nom de Los Angeles, je déconne pas. Los Angeles, ça va plus vite, c'est plus rapide, hein, c'est mieux. La girafe, cette bonne vieille girafe, c'est le seul mammifère existant dans cette planète qui ne bâille pas. Nous, on est tous comme des débiles à faire. J'ai envie de bailler. C'est fou, hein. Et en plus, c'est contagieux, c'est incroyable. Je suis une limite jaloux de la girafe. Bon, elle baille pas, quoi, je veux dire. Elle connaît pas les bails. Allez, suivant. Aucun drapeau des pays du monde ne contient du rose. Y a aucun drapeau qui a du rose. C'est triste, hein, mais y a pas de rose. Non, ils sont tous mis d'accord, pas de rose. Zretlek, Zretlek, Zretlek. Ça signifie je t'aime en hongrois, c'est écrit comme ça. C'est chiant à dire, mais ça signifie je t'aime en hongrois. Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que ça vous intéresse? Non, eh ben, c'est comme ça. En même temps, vous étiez prévenu au début de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais vous ne connaissiez pas une de ces choses. Ouais, je suis safe, ouais. J'avoue que je prends pas beaucoup de risques. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. On est 953 000 sur la chaîne. C'est fou, plus que 47 000 personnes et on est 1 million. C'est incroyable. Du coup, n'hésitez pas, prenez un petit peu de votre temps si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Parce que je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés. Du coup, n'hésitez pas, ça prend quelques secondes et vous serez averti de toutes les prochaines vidéos. Parce que c'est pas magnifique, c'est gratuit en plus. Sur Saturne, la planète avec... Saturne, quoi. Le vent souffle à 1800 km/h. C'est 10 fois plus fort qu'une tornade sur Terre. Là, tu peux mettre un coup de vent, ça fera pas grand chose. C'est pas ouf, on va éviter Saturne. D'après la loi, les hamsters sont illégaux à Hawaï. Ah bah écoutez, ils sont beaucoup plus dangereux qu'on le pense. Est-ce que vous avez vu le film Mission G? Un extrait tout de suite. Voilà. On savait depuis le début, on le savait. Quoi? C'est des cochons d'Inde. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est la même chose. Il a été calculé que chaque cigarette qu'un fumeur fume fait perdre en moyenne 7 à 12 minutes de vie. Donc tu fumes une cigarette, tu perds à peu près 10 minutes de ta vie. C'est pas rentable, arrêtez, c'est pas rentable, c'est pas fou. Ça c'est quoi? Non non, c'est pas un pouce bleu, arrête. C'est un pouce. Et est-ce que vous saviez qu'il avait un autre nom le pouce? Le polex, c'est son deuxième nom. Si vous avez un pouce, vous avez un polex. Voilà, tu pourras le dire à ta mère, tu pourras dire à ta mère, hey, maman, regarde, c'est quoi, c'est un polex ça. Elle te dira, bah non, c'est un pouce chérie. Tu lui diras, non, c'est un polex, maman, ok, donc tu te calmes. Non, tu lui diras pas ça, sinon tu vas t'en prendre une, donc tu lui dis pas ça. La femelle du serpent, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Moi je sais, elle s'appelle le serpent. Oui, et les bébés du serpent, c'est les serpenteaux. Est-ce que vous savez comment s'appelle la femelle du corbeau? Le corbeau. Et les bébés, c'est des corbillards. Voilà, c'est intéressant. Non, moi j'aime bien. Anecdote suivante, notre cerveau, il est constamment en activité. Constamment en activité, il arrête pas de faire des choses. Il arrête pas de traiter des informations. Donc il est vraiment littéralement impossible de penser à rien. Le seul moment où on pense à rien, c'est quand on est mort.
Yes. Vous avez forcément déjà entendu dans les informations, à la télé quelque part, les boîtes noires des avions. Vous savez, lorsqu'un avion se crash, on récupère des boîtes noires pour récupérer les informations de ce qu'il s'est passé. Eh bien, les boîtes noires, elles sont pas noires, elles sont oranges. On nous ment depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on les appelle pas les boîtes oranges? Non, mais c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi on les appelle pas directement les boîtes oranges? Est-ce que les haricots verts, on les appelle les haricots verts alors qu'ils sont bleus? Bah non, ils sont verts. Alors faites pas chier, merde. Un koala, il dort 20 heures par jour. Il lui laisse 4 heures pour faire des choses. C'est pas incroyable. C'est pas dingue. Et puisqu'on parle encore d'animaux, les pieuvres, elles ont 9 cerveaux. Un dans leur tête et un dans chacune de leurs tentacules. 9 cerveaux. Le cerveau central, il s'occupe de la métamorphose de couleur et d'aspect. Et chaque cerveau dans chaque tentacule, c'est pour la mobilité et l'adresse des tentacules. C'est fou? D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un tyrosémiophile? Dites-le moi en commentaire. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est quelqu'un qui collectionne des étiquettes de fromage. Vous savez ce qui est triste, c'est que si ce mot existe, c'est qu'il y a des gens qui le font vraiment. Vraiment des gens qui collectionnent les étiquettes de fromage. L'être humain est fascinant. Avant dernière anecdote, en Lettonie, il est possible de faire un prêt à la banque contre ton âme. C'est vrai, je déconne pas, hein, je ne déconne pas. C'est vrai. Et nous on se plaint. Et enfin, dernière anecdote, mais pas des moins intéressantes, parce que celle-là, elle me tient tout particulièrement à cœur, d'accord? Il y a plus de personnes tuées dans le monde par des ânes que par les avions. Voilà. Faudrait que je pense à ça, la prochaine fois que je prends un avion. Je vais dire, Maxime, attends, il y a plus de gens qui sont morts par des ânes que par les avions. Par contre, s'il y a un âne dans l'avion, ah là, c'est chaud là! Les amis, la vidéo s'arrête ici, merci d'être resté jusqu'à maintenant. C'était cool, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si jamais c'est le cas, vous le savez, comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que si ça vous a plu, je referai d'autres vidéos de ce type-là. Parce que je vous avouerai que j'aime vraiment beaucoup apprendre des choses qui servent à rien. Mais en vrai, c'est fascinant, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Bref, le site Savoir Inutile est dans la description si vous voulez d'autres savoirs inutiles. Vous cliquez dans la description et vous pouvez checker pendant des heures des anecdotes, des trucs qui servent à rien. Arrête-toi. On se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos. Plein d'autres. D'ici là, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, à très très vite. Au revoir tout le monde.